Depuis quelques jours, c'est sans doute l'outil le plus utile pour cet ouvrier, la bouteille d'eau bien fraîche. Le métier est déjà dur, alors sous 40 degrés, c'est presque intenable. Une situation d'autant plus paradoxale. Sur ce chantier, on installe un réseau de chaleur. Pas facile de travailler en été dans la poussière et le bruit, pendant que les autres sont à la plage. On essaie de se protéger, mais bon, c'est quand même très chaud aujourd'hui. Et alors de travailler l'été pendant que tout le monde est en vacances, c'est dur aussi? Oui, c'est dur aussi, ouais. Quand on voit les vacanciers se balader, oui, c'est sûr que c'est compliqué, mais bon. Route barrée, déviation, route barrée. Depuis début juillet, circuler en voiture dans les rues de Limoges ressemble à un véritable jeu de piste, surtout quand le GPS ne recense pas ces zones de travaux. Réseau d'assainissement à refaire, canalisation d'eau à changer. Les chantiers sont très variés et s'ils se déroulent en plein été, ce n'est sûrement pas pour embêter les automobilistes, mais pour des raisons bien pratiques. Oui, surtout par la météo. Donc la météo est favorable aux travaux publics. Mais également, l'activité travaux publics est plus facile dans les rues puisqu'il y a moins d'activités, moins de riverains, moins de passages. Alors si vous circulez cet été dans les rues, prenez votre mal en patience, recalculez votre itinéraire, pensez surtout à ceux qui travaillent sur ces chantiers, car la réfection de tous ces réseaux enfouis, c'est aussi pour votre confort dans votre logement.